Bien, bonjour à tous et je remercie les organisateurs de m'avoir invité pour cette intervention. Je précise d'entrée de jeu et je vous prie de m'en excuser, je ne pourrai pas rester parce que j'ai une obligation à la Défense à midi, donc je vais devoir filer très rapidement, je suis vraiment désolé. Donc la spécialité, comme l'a dit madame, c'est effectivement la question de la motivation dans les apprentissages, en particulier le concept d'autorégulation. Et puis effectivement, je travaille beaucoup sur l'enseignement supérieur. Et j'ai donc préparé une intervention dans laquelle je penserai plutôt aux étudiants d'enseignement supérieur, mais pas exclusivement. Et je pense que parmi vous, bien sûr, un certain nombre d'entre vous travaillent dans l'enseignement secondaire. Je pense que ce que je vais dire est aussi transposable en partie et en grande partie, même je l'espère, sur l'enseignement secondaire. Alors, quel est mon propos et qu'est-ce que je vais essayer de faire dans ces... voilà. Mon propos est le suivant. Finalement, que cherchons-nous à faire tous, autant que nous sommes et quelle que soit notre discipline, nous cherchons à favoriser ce qu'on appelle l'engagement de l'étudiant. L'engagement de l'étudiant de façon à ce que l'étudiant réussisse, et non seulement réussisse, mais surtout fasse des apprentissages de qualité. Les deux ne sont pas toujours identiques. Donc, effectivement, il s'agit de favoriser l'engagement de l'étudiant, et je commencerai par... définir ce qu'est l'engagement de l'étudiant et quelles sont les conditions qui favorisent l'engagement d'étudiant. Et puis, ceci fait, j'essaierai de voir, ce sera l'essentiel de mon propos, comment travailler sur une plateforme en ligne peut favoriser l'engagement ou pas. C'est la raison pour laquelle j'ai mis risques et opportunités en abordant un certain nombre de thématiques. Donc, travailler sur une plateforme en ligne favorise l'autonomie de l'apprenant, pose des questions par rapport à la gestion du temps, éventuellement favorise le développement du regard critique, ce qu'on appelle la métacognition, peut soutenir le sentiment d'efficacité personnelle, pardon, et permet un travail entre les pairs. Donc voilà le menu. Commençons donc tout de suite par le premier point, donc l'engagement de l'apprenant. Une définition très simple et récente. L'engagement, en fait, a quatre composants. Deux. Une composante comportementale, c'est le fait de rester au travail, de ne pas être distrait, donc ce qu'on appelle l'effort et la persistance. Une composante émotionnelle, quand on est engagé, le bilan émotionnel est positif, ce qui ne veut pas dire qu'on ne ressent pas des émotions négatives, bien entendu, telles que l'ennui ou l'énervement, mais globalement, quand même, ce sont des émotions positives qui l'emporte. Il a une composante cognitive, c'est l'idée qu'on applique plutôt des stratégies profondes que des stratégies de surface, ce sont des concepts qui sont beaucoup étudiés et utilisés en psychologie cognitive, en psychologie sociale de la motivation. Et puis, une composante dite agentique, c'est-à-dire que l'élève ou l'étudiant adopte une attitude active, proactive, il anticipe, il manifeste ses besoins, il pose des questions. Donc, ce que nous cherchons à atteindre, quel que soit le dispositif pédagogique que nous allons utiliser, c'est ça. In fine, c'est ça. Hein, c'est favoriser l'engagement de l'étudiant. Qu'est-ce qui favorise cet engagement? Ça, c'est la cible. Mais que faut-il pour parvenir et atteindre cette cible? Eh bien, deux aspects. D'abord, une motivation initiale suffisamment élevée pour l'activité d'apprentissage. Et ça veut dire deux choses. Être motivé, c'est avoir des raisons de s'engager dans les activités qu'on nous propose. Ces activités ont de la valeur, quelle que soit cette valeur. Je ne rentrerai pas dans les détails ici. Donc, il faut que c'est de la valeur, mais pas uniquement. Deuxième composante, il faut également qu'il y ait de l'ordre des attentes. Hein. Il faut également imaginer que si je m'engage dans cette activité qui a de la valeur pour moi, alors... eh bien, je serai capable de la mener à bien. Donc, se sentir suffisamment compétent pour y parvenir. Et c'est le concept de sentiment d'efficacité personnelle sur lequel je reviendrai beaucoup dans cette intervention. Donc voilà, pour être motivé, il faut les deux. Et je dis bien les deux. Se sentir compétent, mais sans que l'activité ait de valeur, ça ne suffit pas à motiver l'étudiant. Une activité qui a de la valeur, mais si par ailleurs l'étudiant ne se sent pas compétent pour s'y engager, il ne sera pas suffisamment motivé.
Donc ça, c'est l'élan initial qui vous permet de vous engager donc dans l'activité. Mais l'apprentissage se déroule dans le temps, donc il y a donc une dynamique. Et une fois qu'on est entré, grâce à cette motivation, dans l'activité, encore faut-il y rester. Et c'est là où intervient le concept d'autorégulation. Il faut donc s'autoréguler. S'autoréguler, c'est très simple. C'est l'idée que il faut, je ne dirais pas sans cesse, mais il faut assez souvent moduler, adapter sa manière de faire, ses émotions, etc., ses cognitions, pour s'adapter à la situation qui, vous le savez bien, au cours d'apprentissage, est changeante. Par exemple, un élève s'engage dans une série d'exercices donc de maths en pensant que les choses vont bien se passer et il est surpris par les difficultés que ça lui pose. Donc, il y a là quelque chose à faire. Il faut ajuster les émotions et la méthode de travail, par exemple. Ça veut dire donc soutenir sa motivation quand effectivement les choses sont plus difficiles qu'il n'y paraît. On peut être très motivé à l'entrée de l'activité et puis, chemin faisant, s'apercevoir que finalement, ce n'est pas si simple que ça. Et du coup, cette motivation, elle peut diminuer. Donc, il faut la soutenir. Il faut faire quelque chose pour la soutenir. Et puis, bien sûr, si on veut moduler, adapter, il faut, en quelque sorte, avoir un regard critique sur ce que l'on fait. Donc, c'est tout le champ donc, de la métacognition. Être en mesure de s'auto-évaluer pour précisément prendre les bonnes décisions et décider de changer quoi que ce soit dans sa manière de faire. Voilà, donc, ceci étant vu, l'engagement, les conditions nécessaires à l'engagement, allons maintenant du côté des plateformes, donc des plateformes en ligne, et voyons ce que le travail sur les plateformes en ligne peut faire par rapport à ça. Le premier point que j'aborderai, c'est la question de l'autonomie. Donc, travailler sur les plateformes en ligne peut éventuellement favoriser l'autonomie de l'étudiant. En quoi est-ce important? Eh bien, on peut se baser sur une théorie aujourd'hui très influente en matière de motivation, qui est la théorie de l'autodétermination, de chercheurs américains, Edward Deci et Richard Ryan. Et ces auteurs disent qu'il y a, et au-delà de l'apprentissage, pour être motivé, que ce soit pour apprendre, pour faire autre chose, il y a trois besoins psychologiques essentiels à satisfaire. Donc le besoin d'être compétent, c'est-à-dire avoir le sentiment d'interagir de manière efficace avec son environnement. Le besoin d'être autonome, c'est-à-dire de contrôler, en l'occurrence ici, l'activité d'apprentissage. C'est moi qui contrôle et je ne suis pas contrôlé par autrui. Et puis, troisième besoin, le besoin d'être en relation avec autrui. Et l'idée que développent ces auteurs, c'est que plus les activités que la personne a à faire peuvent donner plus ou moins satisfaction à ces trois besoins, et plus ces activités vont apparaître comme motivantes. Donc, on a là une référence extrêmement intéressante pour dire que un dispositif qui permettrait de favoriser l'autonomie de l'étudiant pourrait être, au vu de ce cadre théorique, un dispositif motivant. Alors, voyons les choses d'un petit peu plus près. Et être autonome, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire, je le disais, prendre le contrôle de l'apprentissage. C'est moi, étudiant, élève, qui contrôle. C'est pas l'enseignant qui me contrôle, en tout cas. Ce n'est pas lui qui me contrôle totalement. Il faut voir ça comme un continuum, bien entendu, et non pas comme une dichotomie un peu abrupte. Et ça veut dire, très concrètement, que l'étudiant a des marges de manœuvre. Il peut faire des choix et prendre des décisions. Quand travailler, vous voyez, quel exercice faire, dans quel ordre, etc. Donc, l'autonomie, elle se joue, en fait, de manière un peu plus concrète, dans le dispositif et dans la plateforme. Elle se joue, donc, à quatre niveaux possibles. Je peux être autonome pour définir moi-même les objectifs à atteindre. Qu'est-ce que je veux faire? Donc, ça peut être l'étudiant ou l'élève qui le décide. Il peut choisir les contenus. Il va travailler, donc, l'organisation de sa démarche.
dans quel ordre faire les exercices, les faire en une seule fois, les faire en plusieurs fois, etc. etc. Et aussi le choix des ressources. Alors je ne sais pas si dans la plateforme WIMS, que je suis allé voir, hein, bien sûr, je ne sais pas s'il y a des ressources au sens court, au résumé de cours hein, qui sont inclus, mais en tout cas, donc, le choix des ressources, ça renvoie à ça. Donc l'autonomie peut se jouer à ces quatre niveaux-là. Et on a coutume de dire que un dispositif est d'autant plus ouvert qu'il favorise donc ces espaces de liberté et qu'il permet ces prises de décision. Alors peut-être que ceci vous paraît contre-intuitif parce qu'il n'est pas du tout évident dans un premier temps que les étudiants ou les élèves jouent le jeu de l'autonomie. Il y a parfois une transition à faire. S'ils sont beaucoup habitués à être guidés, donc il n'est pas garanti qu'ils sauront être autonomes du premier coup. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'ils peuvent apprendre et auquel ils peuvent prendre goût, pour autant qu'ils puissent s'y entraîner quelque peu. Donc voilà, premier aspect intéressant dans les plateformes d'apprentissage, parmi lesquelles donc WIMS, hein, eh bien, l'idée que par les degrés de liberté qu'elle offre à l'apprenant, l'apprenant peut avoir le sentiment d'être en contrôle de son apprentissage, au moins en partie, et du coup, cet aspect-là est de nature à favoriser son autonomie, donc son envie d'entrer dans les activités d'apprentissage. Mais, il va y avoir un mais, bien sûr, on peut contrôler son apprentissage, mais rien ne garantit que les étudiants ou les élèves, même s'ils ont envie d'entrer dans la plateforme, d'aller faire des exercices, le fassent au bon moment. Et vous savez bien qu'une des difficultés, c'est la mise au travail tardive, ce qu'on appelle donc la procrastination. Et de ce point de vue-là, les plateformes n'apportent rien de particulier par rapport à un dispositif classique. Hein, on est bien d'accord. Donc je pense que c'est un problème de gestion du travail, d'autorégulation extrêmement important qui mérite réflexion. Que penser donc de la procrastination donc, des étudiants et des élèves et comment éventuellement tenter d'y remédier? D'abord, le premier point, c'est que procrastiner, et j'imagine qu'il y a beaucoup de procrastinateurs dans la salle, il y a quand même plusieurs lectures de la procrastination. Il faut faire attention, c'est un comportement qui peut être interprété de manière différente. Alors, il y a une face négative de la procrastination, incontestable. D'abord, chez certains élèves ou étudiants, c'est une stratégie défensive en rapport avec l'estime de soi. On procrastine parce qu'on anticipe un échec possible. Pas certain, possible, peut-être même probable d'ailleurs. On l'anticipe et on anticipe cet échec dans des activités qui ont de l'importance pour l'étudiant ou l'élève. Donc quand ces deux conditions se réunissent, activité importante, réussite pas garantie, eh bien... de peur donc d'être confronté à un échec difficile à assumer, on repousse le travail. C'est ce qu'on appelle une stratégie d'auto-handicap. Et on peut se demander finalement pourquoi le faire, parce qu'in fine, l'étudiant ou l'élève va être en échec. Oui, mais il va être en échec dans des conditions qui vont lui permettre de trouver des raisons qui vont exonérer sa compétence, puisque finalement, il pourra se dire qu'il a échoué. C'est pas étonnant qu'il ait échoué, puisqu'il a travaillé au dernier moment. S'il avait travaillé en temps et en heure, alors il aurait pu réussir. Et c'est ça, donc, tout l'intérêt, si on peut dire, psychologique de la procrastination et qui peut permettre de comprendre que chez certains élèves et étudiants, il y a énormément de difficultés à les faire décoller, parfois, dans certaines disciplines, de cette stratégie-là. Donc, c'est une manière donc, de se protéger de l'échec. C'est ce qu'on appelle une stratégie d'auto-handicap. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi, tout simplement... aussi un défaut de stratégie de management du temps. Alors voilà, donc déjà, on ne peut pas lire de manière univoque ces conduites-là. Hein. Est-ce une stratégie défensive? Est-ce un défaut de stratégie de management du temps? Il faut en savoir un peu plus. Je vais y revenir. Ça a aussi une face positive, comme j'imagine, vous le savez. Il y a un côté positif dans la procrastination. Ça peut être une stratégie parfaitement assumée pour fonctionner de manière optimale, c'est-à-dire que finalement, on se met sous la pression du temps
pour ne pas être distrait et fonctionner à 100%. Bon, ça peut être donc une stratégie positive. Alors, je fais un petit détour par... ici, je vais aborder pas tellement la question des stratégies défensives, la crainte de l'échec, ni même la phase positive. En revanche, je vais plutôt m'attarder sur les défauts de stratégie de management du temps. C'est-à-dire que les élèves qui travaillent avec la plateforme WIMS peuvent travailler aussi au dernier moment, donc vous pouvez constater qu'ils ont du mal à s'y mettre en temps et en heure. Peut-être qu'il s'agit donc d'un défaut de stratégie de management du temps. Première chose, c'est un problème considérable, et je fais un détour par une expérience qui a été faite, et publiée en 2010 par des chercheurs norvégiens. Donc vous voyez, il s'agit d'étudiants en premier cycle licence. Ils sont en psychologie. Ils sont donc interrogés au début du premier semestre avec un questionnaire très connu, Course Experience Questionnaire. Donc vous voyez qui investigue les quatre dimensions qui sont là au tableau. Et puis, à la fin du semestre, eh bien, on enregistre les notes et on essaye de voir dans quelle mesure les moyennes à la fin du semestre peuvent être prédites par les variables qui ont été évaluées et d'autres aussi qui ont été évaluées par le questionnaire. Donc, les modèles utilisés, c'est des analyses de régression multiples. On rentre la moyenne à la fin du semestre en variable dépendante et après on rentre une série de prédicteurs. Qu'est-ce que ça donne ? Ceci. Donc, le questionnaire mesure la qualité perçue de l'enseignement. La qualité perçue de l'enseignement n'a pas, en tant que tel, d'effet direct sur la note obtenue, mais a un effet sur le type de stratégie d'apprentissage que mettent en œuvre les étudiants. Donc c'est quand même un effet important. Et ces stratégies d'apprentissage, donc éviter de mémoriser trop rapidement, essayer de passer d'abord par une compréhension profonde avant de mémoriser, ces stratégies d'apprentissage, effectivement, constituent un prédicteur significatif de la moyenne. Mais ce n'est pas le seul. Vous voyez à côté, et c'est là où je veux en venir, que le temps passé à travailler est un prédicteur important. Et autre chose non négligeable, que l'on connaît bien, la scolarité antérieure, c'est-à-dire la scolarité antérieure, les connaissances acquises au préalable par les étudiants. Comparons les étudiants qui ont réussi et ceux qui ont échoué. Où se joue la différence ? Elle ne se joue pas ici. Les uns et les autres considèrent que les attentes sont claires, les objectifs du cours sont clairs. Bon. Donc, leur perception du cours par rapport à ça n'est pas différente. Mais il y a une différence très nette, La différence, elle se joue là. Ceux qui échouent, donc, considèrent que la charge de travail est trop lourde. Donc, ils ont du mal à gérer le temps de travail nécessaire pour valider correctement l'unité d'enseignement. Et donc cette recherche illustre un problème qui est un problème récurrent et bien connu dans la littérature sur l'enseignement supérieur et l'éducation générale, à savoir que la gestion du temps, c'est un problème majeur. Majeur. Il faut vraiment insister là-dessus. Et particulièrement au moment de la transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Et apprendre à gérer le temps, c'est une compétence essentielle dans ce moment de passage entre l'enseignement secondaire et la première année de l'enseignement supérieur. Alors, pourquoi est-ce une compétence capitale à ce moment-là ? Parce qu'il y a une différence dans la façon dont le temps est structuré entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement supérieur, le temps est moins structuré. Tout simplement, d'abord, parce que l'unité, c'est le semestre et ce n'est pas le trimestre. Ça, c'est un point important. Que les évaluations sont beaucoup plus rapprochées dans l'enseignement secondaire que dans l'enseignement supérieur.
Donc il y a un rapport au temps qui est d'entrée de jeu assez différent dans l'enseignement supérieur par rapport à l'enseignement secondaire. Voilà, et donc, je l'ai souligné, les buts à atteindre deviennent beaucoup plus lointains. Et là, ces nouveaux étudiants ne sont pas habitués à gérer ces buts qui, d'un seul coup, deviennent des buts lointains. En plus de ça, ils sont moins encadrés par les enseignants, donc ce qui contribue à plus de tâtonnement. Et finalement, qu'observe-t-on ? D'une manière assez régulière, on observe que les étudiants, ces nouveaux étudiants qui arrivent en première année, ont une difficulté à anticiper la charge de travail correcte. Donc, ils sous-estiment en permanence le travail nécessaire. Donc, ils sont toujours à court de temps. Et ils pensent effectivement pouvoir réussir en travaillant plutôt à la fin du semestre. Mais il y a plus de temps que cela qu'il faudrait mettre en œuvre. Et donc, ils se trouvent à court de temps. Maintenant, qu'est-ce que la structuration du temps ? La structuration du temps, finalement, c'est un concept assez flou. On peut essayer de le décomposer en plusieurs composantes. Voilà. Parce qu'il faut gérer le temps dans une discipline, mais bien entendu entre les disciplines. Donc, les étudiants ont à gérer l'ensemble de leur travail universitaire et pas uniquement le travail qu'ils font dans votre discipline. Donc, bien sûr, il y a des objectifs. Que dois-je faire ? Et puis, la difficulté, c'est de définir des priorités entre les tâches. Des priorités, qu'est-ce qui est important ? Et donc, dans quel ordre aussi dois-je faire les travaux ? Autre point, c'est allouer les ressources de temps. Donc, imaginez le temps qu'il faudra consacrer pour faire tel ou tel travail, en anticipant plusieurs choses, en anticipant les difficultés possibles, ce qui est parfois très difficile lorsqu'on découvre la discipline, justement, on ne sait pas quelles vont être ces difficultés. Et puis, je l'ai marqué parce que les élèves le disent parfois, les étudiants le disent, combien de temps c'est intégrer les moments de pause, c'est-à-dire que 3 heures de travail utile, c'est pas uniquement 3 heures de travail, c'est plutôt 4 heures. Donc, c'est aussi apprendre à intégrer et à voir plus large les moments de pause éventuels. Bon, et puis, alors, ce concept qu'on trouve de temps en temps, c'est réfléchir à ce que pourraient être des doses de travail optimales. Bon, ça, c'est un concept assez simple. C'est-à-dire, le seuil au-delà duquel je n'ai pas intérêt à continuer de travailler parce que je sais que je vais être distrait. Très concrètement, j'ai 6 heures à faire pour préparer mon partiel d'algèbre linéaire. Très bien. Alors, je fais ça en une seule fois ? Non, ce n'est pas raisonnable. Je fais ça en 2 fois 3 heures ou bien en 3 fois 2 heures ? Ça, c'est une réflexion qui est importante à mener. Et évidemment, qui est aussi... on voit bien le rapport avec la procrastination, c'est-à-dire que moins on procrastine et plus on va être en mesure de faire 3 fois 2 heures, bien entendu. Si vous procrastinez, vous travaillez au dernier moment, vous allez plutôt être dans une stratégie de 6 heures bloquées ou de 4-5 heures bloquées. Et puis, imaginez des scénarios favorables. Allouer du temps, oui, mais pas dans l'abstrait. Par exemple, c'est combiner le management du temps et le lieu, c'est-à-dire, par exemple, aller travailler à la bibliothèque universitaire de 5 à 7 mardi prochain, par exemple, parce que c'est un endroit calme. Donc, je combine à la fois un lieu qui est propice à l'apprentissage et à un moment donné dans la semaine. Et donc, une allocation de temps. Alors, on comprend bien, pour revenir à ce que je disais, on comprend bien que le fait de travailler sur une plateforme ne change rien, finalement, à tout ça. Quand même, la question demeure. Au fond, l'enseignant peut-il fournir une aide par rapport à ça ? Donc, on arrive sur un champ qui est celui de l'apprentissage méthodologique. L'apprentissage méthodologique, on peut essayer de le subdiviser en deux. Donc, c'est d'abord la méthodologie disciplinaire, bien entendu, que vous faites, forcément. Mais au-delà de la méthodologie disciplinaire, c'est aussi
la gestion du travail personnel. Et bon, la gestion du travail personnel, les élèves et les étudiants en général sont très friands d'avoir des échanges sur ce thème-là. Ils en parlent volontiers, peut-être l'avez-vous déjà expérimenté, entre eux ou même avec vous si vous leur tendez la perche. Et c'est à la faveur de votre enseignement disciplinaire que peuvent être abordés aussi des problèmes plus transversaux de gestion du travail personnel, en particulier la question du management du temps. À la faveur d'un de vos cours de mathématiques, va être abordée la question de la procrastination, par exemple, en maths, mais en même temps, c'est un point d'entrée pour aborder plus largement le problème de la gestion du temps de travail dans toutes les disciplines. Donc, l'enseignant peut y fournir une aide. Ça passe nécessairement par des temps d'échange plus ou moins informels à la faveur, et j'insiste un peu là-dessus, je n'ai pas le temps de développer trop les raisons pour lesquelles j'insiste là-dessus, mais de développer des temps d'échange entre enseignants et étudiants, mais entre étudiants. Par rapport à ça, par exemple, il y a des apprentissages latéraux qui se font, hein, des échanges qui peuvent se faire entre étudiants qui sont extrêmement bénéfiques. Donc, il n'y a pas de cours, de méthodologie à proprement parler, à imaginer, mais il y a bien, peut-être, à saisir la balle au bon, des opportunités, lorsque vous voyez dans vos cours, par exemple, que cette question-là pointe le bout de son nez, peut-être que ça vaut le coup de s'arrêter, ne serait-ce que 5 minutes, pour échanger quelque peu là-dessus. C'est peut-être ça que l'on peut dire. Mais ça se passe en présentiel, hein, d'accord ? Ce n'est pas sur la plateforme que ça se passe. Ça se passe en présentiel avec les étudiants. Bon, autre point, l'observation de soi. Une citation de Roy Baumeister, bon, qui est un psychologue qui a beaucoup travaillé sur l'autorégulation, qui est assez claire. Hein. Pour s'autoréguler, adapter sa conduite, ses cognitions, ses émotions, il faut quand même s'observer. Et finalement, en quelque sorte, se dédoubler, se voir en train de faire, et pas uniquement faire. Donc, c'est ce que montre le schéma qui est en dessous. Ça, je passe rapidement. Voilà. Hérité de... repris d'un schéma très classique dans le domaine de la métacognition, celui de Nelson. Donc, vous voyez, en fait, il y a deux niveaux, l'activité de l'apprenant et l'apprenant, ce qui... Bon. Un niveau montant, j'essaye d'observer ce qui se passe, bon, de, par exemple, détecter les erreurs, de voir si je suis toujours en train de poursuivre l'objectif que je me suis fixé, par exemple, si je ne suis pas en train de sortir chemin faisant et de faire autre chose. Et ayant observé ceci, je suis en position de prendre une décision qui peut être, bon, très bien, tout va bien, je continue tel que je suis en train de le faire, ou au contraire, je fais quelque chose d'autre, j'infléchis, peut-être que je vais m'y prendre un peu différemment, peut-être que je vais aller consulter une autre ressource, donc contrôle de la conduite. Donc la question est de savoir en quoi le travail seul sur la plateforme aide ou pas à favoriser ce regard critique sur soi. Alors, on peut faire un petit détour par les Learning Analytics, donc les plateformes d'apprentissage permettent en quelque sorte d'instrumenter l'observation de soi en essayant de enregistrer, de construire et d'enregistrer des traces de l'activité et de les restituer à l'apprenant. Donc voilà une définition assez classique des Learning Analytics. Donc, il y a une réflexion très, très importante autour de cela en ce moment. Alors, je ne sais pas si de telles ressources sont disponibles actuellement sur WIMS, hein, je ne sais pas. Voyons un peu plus ce que ça peut signifier. Exemple de trace. Alors, on peut en faire énormément. On peut faire des comptes. Voilà. On peut aussi s'intéresser à des durées. Sans passer sur les textes, les vidéos, les forums, les exercices. Mais, ou alors, plus subtilement, des durées normées. Par exemple,
La plateforme WIMS, l'exercice à faire sur WIMS sont à faire. Vous ouvrez les exercices, je ne sais pas moi, en début de mois, et vous fermez la plateforme à la fin du mois. Voilà, donc à quel moment l'élève y accède-t-il par rapport au moment où l'accès est disponible, par exemple, hein, etc., etc. À quel moment rend-il le travail par rapport à la deadline? Alors, le danger de ça, et on le voit bien aujourd'hui dans toute la recherche sur la formation à distance, c'est l'empirisme total. C'est-à-dire, évidemment, des traces, on peut en faire à foison des traces. Hein, mais il faut que ça ait un sens quand même. Hein. Quelle idée il y a derrière cela? Quelle théorie du fonctionnement de l'élève et de l'étudiant avons-nous? Alors, l'idée qu'on peut avoir, ça peut être d'essayer de pister la régularité d'accès à la plateforme, aux exercices. Donc, régularité d'accès. On peut essayer, par exemple, de voir comment le temps passé sur la plateforme évolue. Est-ce qu'il est régulier? Est-ce qu'au contraire, l'étudiant va y travailler beaucoup au début, puis plus rien après, ou au contraire, rien au début, et puis concentrer son travail à la fin? Fait-il des retours en arrière? Donc ça, c'est assez intéressant. Est-ce qu'il sort d'un fonctionnement un peu linéaire pour aller revoir éventuellement un exercice qu'il a déjà fait? Mais bon, voilà. Donc on peut effectivement construire des traces qui peuvent être des indicateurs intéressants, avec cet avertissement fort important, hein. Avant de construire des traces, réfléchissons à ce que l'on cherche à comprendre avec ces traces. Mais supposons donc que dans WIMS, on puisse construire ces traces, qu'est-ce qu'on peut en faire? Je ne crois pas que l'élève ou l'étudiant puisse les utiliser seul. Je pense que ça passe par une utilisation donc, dans le cours en présentiel. Parce que la construction des traces, telle que je viens de vous le décrire, c'est un dispositif technique, ce n'est pas un dispositif pédagogique. Le dispositif pédagogique, il va consister à ce que l'enseignant essaye d'analyser avec les élèves ces traces-là. Donc finalement, cet ensemble de traces, ça peut être ce qu'on appelle une médiation, un moyen d'entrer en communication avec les élèves pour aborder les questions, finalement, de gestion du travail personnel. Là, on s'aperçoit effectivement que le travail est totalement irrégulier. Vous passez du temps au début, vous passez du temps à la fin, ou alors votre travail est complètement linéaire. Jamais vous faites de retour en arrière. À quoi ça peut servir de retour en arrière? Vous voyez, on peut imaginer plein de choses comme ça à partir de ces traces. Mais donc, ça veut dire qu'on fait un retour de la plateforme vers le cours en présentiel. D'accord, on réutilise ce qui a été fait dans la plateforme pour le réinjecter dans le cours sous forme donc d'échange. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est, je pense, d'échange. Alors, oui, plus ou moins formel. Hein, au moment qui vous paraît le plus favorable, vous décidez peut-être de faire une pause de 10 minutes, un quart d'heure sur cette thématique-là, au moment qui vous paraît le plus favorable. Bien, donc continuons. Il me reste encore quelques minutes, ça va. Voilà, donc organiser le retour de la plateforme. Donc ici, je vais toujours rester sur la question du feedback. Et j'ai repris quelques propositions d'un auteur très connu en matière d'autorégulation qui s'appelle Barry Zimmerman. J'ai mis en rouge, réussite-échec. C'est le feedback que renvoie la plateforme. Très bien, réussite-échec. Alors, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc, c'est réussite objective, échec objective. Mais quid de ce que l'élève ou l'étudiant va élaborer là-dessus? Nous ne le savons pas, et c'est précisément ça qui est le plus important. Alors, il y a, dit Zimmerman, on peut distinguer entre deux niveaux, l'auto-jugement et l'auto-satisfaction. Donc, l'auto-jugement. La plateforme me dit, j'ai réussi 7 exercices sur 10, très bien. J'en pense quoi? Est-ce que mes objectifs sont atteints ou pas? Est-ce que c'est satisfaisant? Tout dépend, bien entendu, des buts que l'étudiant s'était donné initialement. Deuxième point,
j'ai réussi ou j'ai échoué. Et j'ai échoué 3 exercices sur 10. Qu'est-ce qui fait que j'ai échoué? L'explication que donne l'élève de sa réussite ou de son échec est extrêmement importante. C'est ce qu'on appelle dans la littérature psychologie sociale, psychologie cognitive, les attributions causales. En fonction de ça, je peux me dire, finalement, oui, la plateforme me dit que j'ai réussi cet exercice sur 10. Je considère en effet que c'est une réussite subjective qui me procure de la satisfaction. Et cette satisfaction est de nature à conforter mon sentiment d'efficacité personnelle. Et je reviens donc là sur cette variable qui a été énormément étudiée dans la psychologie de la motivation, qui donc est tout à fait capitale. Réussir, c'est se sentir, entre autres, compétent pour mettre en œuvre et mener jusqu'à son terme la tâche que l'on doit faire. Alors, qu'est-ce que ce sentiment d'efficacité personnelle? C'est un auteur canadien, d'abord canadien, Albert Bandura, qui l'a développé. Bon, vous voyez, ça a beaucoup à voir avec la confiance en soi, sauf que c'est beaucoup plus précis que la confiance en soi. La confiance en soi, c'est général. Le sentiment d'efficacité personnelle, c'est toujours par rapport à une activité précise. Donc, par exemple, la série, est-ce que je pense que je peux réussir la série de 10 exercices WIMS que je dois faire? Oui, je pense que si j'étudie normalement mon cours, il n'y a pas de problème, je devrais les réussir. Si l'étudiant dit ça, c'est un jugement d'efficacité personnelle positif. S'il dit au contraire, c'est pas évident, j'ai du mal un peu à comprendre ça, même en travaillant le cours, c'est pas du tout, c'est pas gagné. Donc là, on est dans un jugement d'efficacité personnelle beaucoup plus modéré. Donc c'est une prédiction. Alors, le sentiment d'efficacité personnelle, il permet effectivement de soutenir la réussite et, chose importante, il permet d'absorber plus facilement les erreurs. Et je vous propose des distinctions que j'avais mises en évidence dans une recherche que j'ai publiée en 2010 sur des élèves que j'avais fait avec des élèves de 3e et de 2e. Je leur avais donc demandé en entretien comment ils réagissaient donc face à une faible performance. Et certains peuvent dire qu'ils sont déçus. Et le mot est important ici. Ils sont déçus. Effectivement, ils auraient préféré avoir une bonne note. Mais ça ne change rien à l'intérêt qu'ils ont pour la discipline. Et ça ne change rien à leur sentiment de compétence. Fondamentalement, ils se pensent compétents. Ils ont un sentiment d'efficacité personnelle qui est suffisamment solide pour qu'ils ne soient pas entamés par une piètre performance, pour autant qu'elle soit ponctuelle, bien entendu. Donc, certains vont vous dire « je suis déçu », d'autres vont vous dire « je suis découragé ». Je trouve que cette manière de réagir à la difficulté est extrêmement parlante, donc je la relie effectivement au sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire que là, ça vient mettre un frein à l'investissement dans la discipline et ça vient réveiller des doutes que l'on peut avoir sur ses propres compétences. Donc, le sentiment d'efficacité personnelle, autrement dit, il n'empêche pas que les étudiants seront confrontés à des difficultés, ce qui est assez logique, puisque quand le niveau monte, à un moment donné, vous êtes confronté à des difficultés. Simplement, la confrontation à la difficulté sera plus aisée avec un sentiment d'efficacité personnelle. Alors, je vais revenir donc aux sources du sentiment d'efficacité personnelle, tel que le dit Albert Bandura. Et on va comparer donc avec la plateforme. Bien sûr, la réussite. Merci, 5 minutes. La réussite, si l'étudiant ne réussit pas, il aura du mal à se sentir compétent. Mais pas uniquement la réussite. Et Bandura parle de persuasion sociale, et je n'aime pas trop le terme parce que ça sous-entendrait qu'il y a une intention, non, plutôt un feedback. Les commentaires que des personnes jugées importantes peuvent donner sur la performance. Voilà. Et l'observation d'autrui aussi, en observant quelqu'un que l'on considère comparable à soi
faire une activité et réussir dans cette activité, on peut se dire, mais moi, je suis capable de le faire. Et puis, l'interprétation des états émotionnels. Si je réussis, mais si c'est au prix d'une telle anxiété que je réussis, je me dis, peut-être que je ne suis pas aussi compétent que je le pense. Pardon. Bien. Alors, vous voyez, le feedback social, le regard d'autrui, ce n'est pas sur la plateforme que les étudiants vont l'avoir. C'est bien évidemment en cours. Hein. Donc, de ce point de vue, la plateforme, en renvoyant donc le fait que l'étudiant envoie un feedback rapide, pardon, réussite-échec, c'est un élément important, mais il est notoirement insuffisant. C'est-à-dire que ce sera, il faut aussi qu'il y ait le regard porté par l'enseignant. Et donc, encore une fois, ça nous invite à essayer de réinjecter dans le cours en présentiel ce qui a pu se passer sur la plateforme. Donc, je vais donc peut-être sauter. Voilà, je ne devrais pas ça. Ça aussi. Voilà, et je terminerai par ça. Dernier point, qui est la question donc, du soutien des pairs. Donc, travailler sur des plateformes, notamment dans l'enseignement à distance, c'est aussi être en mesure de rechercher ou de solliciter l'aide d'autrui. Donc, le soutien des pairs, il a une double fonction. Dans les formations à distance, il permet de vaincre le sentiment d'isolement. Mais ici, on n'est pas dans la plateforme WIMS, on n'est pas vraiment dans un format enseignement à distance. Et puis, il a une autre fonction cognitive, donc il permet des stratégies de comparaison sociale qui vont permettre... Alors, ce n'est pas uniquement la recherche d'aide. On peut se dire, oui, j'ai demandé la réponse à tel ou tel autre élève. Non, ce n'est pas uniquement ça. C'est voyons ce que d'autres ont compris, voyons d'autres manières de faire, etc. Et ce n'est pas uniquement tout de suite rechercher de l'aide. Donc, un des grands ressorts possibles, donc, ce qui est intéressant c'est avec les plateformes, hein, c'est de développer ce soutien entre les pairs. Et alors, je ne sais pas si cette modalité est rendue possible dans l'utilisation de la plateforme WIMS. En tous les cas, le soutien des pairs, donc vous voyez, on peut le construire, le permettre grâce à des fils de discussion, mais simplement, il ne fonctionnera que si les étudiants ont déjà, en présentiel, une culture de la collaboration. Si, par exemple, en cours, vous faites vous-même des travaux de groupe, pas n'importe quel travaux de groupe, des travaux de groupe suffisamment difficiles pour qu'effectivement il y ait matière à débat et développer ce qu'on appelle très souvent des apprentissages collaboratifs. Si effectivement les élèves, les étudiants ont pris déjà cette habitude dans votre cours, alors ils seront donc peut-être plus enclins à utiliser ces modalités de soutien entre pairs dans la plateforme à distance. Pour terminer, donc, nous sommes ici avec la plateforme WISM dans un enseignement hybride. Il y a une partie en présentiel, puis il y a une partie à distance. Pour résumer ce que j'ai dit, je pense qu'il faut réfléchir à la manière d'organiser la complémentarité entre ces deux moments. Et on l'a vu, donc comment réinjecter ce qui s'est fait sur la plateforme WIMS dans le cours, avec donc deux aspects importants, l'analyse des réussites et de l'erreur, les difficultés de l'autonomie, les difficultés de gestion du temps. Sur ces deux points-là, il y a matière à organiser des échanges avec les étudiants. Et puis le troisième point, c'est pas réinjecter le travail de la plateforme dans le présentiel, mais c'est préparer la collaboration entre pairs sur la plateforme grâce à une culture du travail entre les pairs, déjà dans le cours en présentiel. Voilà, je vous remercie de votre attention.